Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble une petite vidéo qui va être courte, mais j'espère qu'il va vous apporter beaucoup. On va voir ensemble le Mac lorsqu'on utilise beaucoup d'applications ou lorsque notre Mac est allumé toute la journée, il utilise de la RAM, de la mémoire vive. Et cette mémoire vive reste inutilisée, il faut la libérer et pour la libérer, on va voir ensemble comment faire. Vous allez gagner de la vitesse sur votre Mac grâce à cette commande et vous allez voir que sans logiciel, vous allez pouvoir redonner dans la journée un peu plus de vitesse à votre Mac. Ceci sera bon pour tous les Mac, MacBook Pro, iMac, etc. On peut tout à fait éteindre le Mac et redémarrer, ce qui va vider complètement la mémoire vive. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est que on va ouvrir un terminal et dans ce terminal on va lui inscrire deux mots et grâce à ces deux mots vous allez voir que votre Mac va vraiment revivre. Tout d'abord on va aller dans utilitaire et pour cela on va taper le raccourci commande maj u utilitaire utilitaire fenêtre. Ensuite on va taper la lettre T terminal application pour terminal. On va le valider avec commande flèche bas ouvrir la sélection terminal Christophe Taquet, Bash, 80. Et là, comme vous venez de voir, tout simplement, le terminal s'est ouvert. Ici, on va taper la phrase clé qui est deux mots, sudo. S-U-D-O, espace, sudo. Purge, comme pour purger la mémoire vive. Donc, purge. P-U-R-G-E, purge. Et on va valider par entrée. Ce qui va instantanément nous demander notre mot de passe. Password. Mais ici, attention, c'est le mot de passe administrateur. C'est le mot de passe que vous utilisez lorsque vous ouvrez votre Mac. Et la seule chose où vous allez être étonné, c'est que quand on va marquer ce mot de passe, on n'aura ni plus, ni aucun retour sonore et ni aucun retour visuel. Donc par exemple ici je vais taper mon mot de passe. Une fois terminé, je tape entrée. iMac de Christophe, tilt Christophe taquet dollar. Une fois ceci terminé, voici que notre RAM vient d'être purgée. Et ce tuto est terminé car maintenant vous allez pouvoir Finder. Par exemple redémarrer certaines applications. Pensez dans la journée lorsque vous avez laissé votre Mac allumé toute une journée de temps en temps de lui faire un petit sudo purge pour vider la mémoire vive non utilisée pour rafraîchir votre Mac. Et bien moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle accélérera un peu votre Mac et qu'elle vous donnera envie de vous abonner à ma chaîne. Car plus de 240 vidéos vous attendent. Je vous remercie beaucoup et donc je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut !